Kaya fin raconte ce pays dans ce ban santé. Li fin porta ce philosophie en harmonie. Li fin créé ban l'émotion musicale qui touche tout ban dimoun qui prend la peine d'écouter ce ban parole. Plus qui 20 ans après sa disparition, Creole Speaking Union fin envie contribuer à préserver l'héritage Kaya. Sous son égide, plusieurs auteurs, ban CSR Université, ban dimoun qui sensible à la pensée de Kaya, fin étudier richesse à noter compositeur hors du commun. Zotingen accès à ban archive qui Véronique Topiz fin précieusement gardé. Ban manuscrit qui dit beaucoup le Joseph Reginald Topiz, l'homme, le citoyen, le mauricien. Ban réflexion qui montre que Kaya, les patisis un musicien, les tient penseur. Et qu'il y a encore et a beaucoup de choses pour lui dire. Alors, nous, plusieurs personnes participent dans ce projet-là, mais au final, nous avons 8 personnes qui ont contribué pour écrire Ban Sapit. Donc, dans nos livres, nous avons 2 grandes parties. Une première partie, que nous avons Ban Sapit, que nous analysons un thème bien spécifique. Donc, d'abord, il y a bien sûr un Sapit qui raconte un peu l'histoire biographique Kaya, qui est écrit par Lionel Lajoie. Nous avons un Sapit, Zoom Sentimental, qui, moi et Christelle Archoun, écrit, que nous raconte un petit peu la vie sentimentale Kaya, Ban 35. À un moment donné, j'ai pas marié. Après, comment les joindre ce madame, ben, sa relation avec ce ben enfant, comment les valorise ben femme. Et qu'ensuite, il y a 3 chapitres qui analysent bien un thème bien spécifique. Un chapitre le discours identitaire, qui est écrit par Lionel Lajoie encore une fois. Un chapitre l'unité nationale, qui est écrit par Kimberly Oxide et Gaël Bass. Un chapitre le spiritualité, qui est écrit par Yannick Bosquet et Tenusha Jandu Singh. Ensuite, il y a 2 chapitres qui concentrent leur créativité artistique Kaya, un qui est la musique métissée Kaya, et un autre qui est l'utilisation de langage créole dans mon thème Kaya, dans mon manuscrit Kaya. Et dans ce chapitre-là, on explique qu'il y a plusieurs santé qui font une évolution, il y a un titre différent au fil du temps dans mon manuscrit original qui nous retrouvé que Madame Topiz. Et un bonne santé, c'est une santé qui est plus connue, c'est Simé la lumière, qui à l'origine s'appelle Simé la misère. Et c'est ça qui explique le titre du livre qui appelle Kaya entre Simé la misère et Simé la lumière. Donc ça, c'est pour la première partie du livre. Ensuite, il y a une deuxième grande partie que nous choisissons pour publier un extrait d'Epidaire Kaya tel quel, qui nous transcrit en créole mauricien standard, que Kaya lui-même raconte sur l'histoire, comment il commence à apprendre la musique avec son frère, comment il joue dans plusieurs groupes, sur différentes formations, et comment il rencontre le succès, comment il invente le mot Sege, comment il choisit un nom racine tatane. Ensuite, il y a une section que nous avons une interview avec des gens qui connaissent Kaya, qui côtoient Kaya, et qu'ensuite, nous avons une section où une parole santé Kaya dans créole mauricien standard. Et qu'en fait, nous avons une photo originale, inédite, qui est fin donnée par Véronique Topiz, la veuve de Kaya, par Selven Naidoo, dont la photo se trouve en couverture, et qu'aussi par l'artiste Caroline Mandron. Donc, c'est un livre très. beaucoup d'éléments là-dedans qui vise aussi bien un public universitaire qu'un grand public. L'inspiration, ouais, ça. On ne fait rien pour autant, ça. Ça va faire nous la vie qui. Enfin, tout le monde qui avait inspiré, parce que l'inspiration, c'est tout. C'est l'état, c'est trois tiers, plein de choses. L'idée est faire un livre, le Kaya, l'inéman, le dé, des faits bien évidents par rapport à Creole Speaking Union. L'année dernière, nous avons organisé un événement autour de lui, autour de ce texte. Et Rissès, qui est sorti avec cet événement-là, cette table-là, c'est une rendu évident qui bizarre mettre les loin si pour écrit dans forme un livre bon les prend nous un an pour faire livre bien content qui livre là il prend forme qu'il prend et nous voulons remercier tout le monde qui travaille dans la réalisation du livre là hein. Deuxième élément qui est important par rapport à Creole Speaking Union c'est que contrairement à toutes les autres speaking unions nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour encourager du monde cause langage là vu que tout mauricien cause créole déjà en revanche trois quarts population maurice pas que lire ni écrire créole. Donc, nos missions, c'est beaucoup plus concentrer sur l'écriture. 21 février, c'est journée internationale langue maternelle, une journée qui nous célèbre chaque année en tant que Creole Speaking Union. Et ça coïncide avec date l'amour Kaya. L'Itikapa paraît une coïncidence complètement un hasard, mais il se trouve que quand nous lisons ben, le manuscrit Kaya et écrire, il y a un commitment réel par rapport à la valorisation de la langue nationale maurice. Et il y a même exprime le souhait, il y évoque le regret que quand il est à l'école,
li pa ti kapab apran li a kreol, et li ti pe pose li menm kesyon, kan li pe ekri a sou ban teks, koman biza ekri, si ti ena en l'autograf, li ti pou kontan, etc. Et nou kontan ki zo di, d'en certaine manye nou realize en de ban rêve Kaya. Pou mwa, parmi tout ban artiste ki mouri sinena, Kaya li reprezente probablement l'artiste le plus accompli au niveau texte, au niveau la musique, au niveau instrumentiste, il utilisait ben l'instrument et rémunérait tellement bien. Donc, c'était l'artiste le plus accompli. Et moi, pensais qu'il y a un ben rêve personnel qu'Enzo nous gagne l'équipe qui peut travailler d'une façon profonde, d'une manière complète à nous dire. C'est comprendre l'homme, l'artiste, à travers ce texte, et c'est un petit peu comme ça. Moi, pensais que nous avons déjà Douali, un hommage pareil, pas simplement pour ce qu'il était dans ce vivant comme Dimoun, mais comme artiste, et il est bon que ce texte actuellement, que tout Dimoun peut reconnaître, il a une valeur philosophique, intellectuelle, au-delà de ce simple aspect artistique. Je ne suis pas un grand musicien, je ne suis pas une santé spéciale, je ne suis pas une grande santé non plus, mais. Mais voilà, moi de la voix de tout, la voix de tout du monde, voilà. Alors, qui fait thème spiritualité, puisque quand nous fin gagne l'occasion, quand toute l'équipe fin gagne l'occasion de découvrir ben texte, ben manuscrit Kaya, nous fin trouver que Kaya en fait il y a une recherche spirituelle, une démarche spirituelle qui est bien intense dans ce la vie. Il y a plusieurs textes et qu'il y a aussi écrit à beaucoup ben textes, ok, beaucoup ben la prière par exemple qu'il y a recopié, etc. Nous fin trouver que c'est un thème qui bien élaboré parce que ça fin une grande importance dans la vie Kaya. Donc à partir de là, nous avec moi nous fin étudier ben différents documents qui étaient à nos dispositions, ben textes chantés aussi bien évidemment, et nous fin travailler dans nos chapitres qui en fait organiser une première grande introduction ben quand nous parlons spiritualité qui était, et puis concrètement dans la vie Kaya qui ban forme spiritualité qui présent. Donc nous connaît qui Kaya l'itienne catholique, donc il fin prend ban sacrement, mais il fin aussi investi les mêmes dans rastafarisme. Mais nous trouvons que rastafarisme c'est aussi un mode de vie, une quête spirituelle, et ça fait donc beaucoup l'importance dans la vie Kaya. Dans ce manuscrit il explique un petit peu comment se l'entrée dans rastafarisme fin aussi inspire lui musicalement pour créer, justement, l'expliquer comment ça fin inspire lui pour créer le ségué. Donc, nous trouvons que spiritualité fin accompagne non seulement une démarche dans la vie personnelle Kaya, mais aussi dans la vie artistique et musicale. Et puis, il y a une autre partie du chapitre qui est consacrée spécifiquement à analyse ce ban texte. Donc, par exemple, nous trouvons que terme, mot bondier, les revenir plusieurs fois dans ban texte Kaya. Et puis, nous trouvons aussi que ce recherche lit au-delà de la religion. Okay? C'est vraiment, interroge plusieurs la religion. Il interroge la religion catholique, rastafarisme, il interroge aussi l'hindouisme. Il fait ben, les autres recherches encore. Et puis, à un moment donné, il transcende ban différence qui n'avait ban la religion pour aller vers ban valeur universelle, comment l'amour, comment la paix, comment le respect de la nature qui par ailleurs bien aussi bien important dans rastafarisme. Vous segué ça veut dire rastaman ça. Ouais, veut dire rastaman, veut dire fait fil ça. Fait fil. Moi et Yannick nous fin travail à deux le chapitre spiritualité. Donc c'était une découverte pour nous deux, comment dire, nous apprendre comme nos camarades aussi. En même temps qu'ils nous apprennent le Kaya, comment ils finissent vivre, comment ils finissent intégrer le concept de spiritualité dans la vie et aussi dans ce bain de santé. Pour travailler ce chapitre-là, nous organisons le travail en trois parties, c'est-à-dire nous commençons avec une introduction générale qui nous comprend par la spiritualité et aussi comment ça a impacté Kaya dans la vie, dans ce raisonnement. Deuxième partie du travail, nous finissons un peu le culture rastafarisme. Étant donné que Kaya a adopté sa culture, l'Itchen Rasta. Et ça fait marquer beaucoup dans sa vie personnelle, mais aussi ça fait donner l'inspiration pour lui amener dans ce bon santé, dans ce bon texte. Et aussi dans la lecture qu'il fait, l'Itchen inspire beaucoup depuis qu'il est Rasta. À travers la recherche qu'il fait dans les notes, diary, dans le texte. Parole santé, nous découvrons que Kaya, il peut vivre sa rastafarisme à fond. C'est-à-dire, il ne peut pas suivre l'Isis là-haut, il a adopté le principe rastafarisme, c'est-à-dire, vœu de Nazareth, il garde
dreadlocks avec l'adopter en la vie végétarienne, mais lui aussi il a un lien bien sacré avec la nature qui est autour lui. Et que pour terminer, nous finissons cause l'ouverture spirituelle qui a gagné à travers son intégration dans le monde rastafarisme, mais aussi une ouverture plus générale. Je trouvais qu'il dans ce même parole même et dans même thème fort qui n'est pas capable d'ignorer. Alors, il racontait plus sur la vie, donc comment il joue Véronique par exemple. Donc, il écrit tout cela, il écrit tout ce manuscrit, comment il joue Véronique. Ce chapitre-là, il est un chapitre d'amour, un chapitre contre Kaya, mais en tant qu'un humain, en tant qu'un homme, en tant qu'un mari, en tant qu'un parent, en tant qu'un humain tout court. Nous causons nos enfants, nous avons un thème d'enfants que tu causes beaucoup, nous causons le thème de la femme aussi. Donc, ce chapitre-là, c'est un regroupe un peu petit biographie et qu'en même temps se santé, que nous faire une analyse, comment dire. C'est gay, reggae, il ne dépend pas seulement de la grandeur ou la hauteur des musiciens, ça, non, il dépend de l'équerre, il dépend un peu des sentiments, des affaires comme ça. Dans la musique métissée, je suis envie aussi de montrer qu'il travaille artistique qu'il y a à faire. Donc, j'ai une interview avec l'arrangeur musical Elvis Hirozo qui explique moi ce qu'il lit, il comprend comment c'est gay était. Donc, comment, au niveau musical, comment il était. Et quand nous revenons justement au côté manuscrit Kaya, nous trouvons qu'il y a une bonne similarité dans l'explication quand Kaya peut expliquer à ce bâtiment, à Tizosé, justement, jouer ça plus vite, reverse tempo, jouer ça telle manière. Nous trouvons qu'il, quand Elvis lui peut causer qu'il y a un hi-hat, justement, il y a plus vite, un mélange rythmique, il y a une similarité et nous ne pouvons pas causer même l'année, nous ne pouvons pas causer même génération. Mais nous trouvons sa ressemblance-là, elle est incroyable qu'il nous trouve qu'il y a un texte qui Kaya a écrit bien longtemps et qui Elvis Hirozo a la explique ça, qui est un patrimoine artistique et aussi culturel quand nous pouvons la musique et surtout c'est gay. Nous trouvons que c'est gay, il y a un métissage, c'est gay et reggae, donc nous pas causer un métissage de culture, mais aussi un métissage artistique, que l'artiste-là amène ce bagage artistique, il amène ce maîtrise musicale. Parce que, comme on dit dans justement livre Kaya, c'est pas juste talent qui bizarre, mais un gros travail artistique, un gros travail maîtrise musicale, que l'artiste là même il connaît qui bat note exactement, et il y a une recherche qui l'artiste là fait, et qui justement il donne ça à ce public. Et Kaya il donne ça à ce public, et il donne nous ça à travers ce bas de message, quand il montre que la musique est là pour nous venir danser, est là pour nous ensemble. Pour les banotis, c'est une hypothèse qui nous dit que ces gars, il y a une danse qui est un esclave qui peut danser. Donc nous la mettons à tasser, nous les pieds à tasser, nous ne sommes pas capables de faire un grand mouvement. Et nous avons une boulet dans nos pieds derrière, dans un pied. C'est à cause de ça que tout le temps, nous avons un pied traîné derrière quand nous dansons ces gars. Et nous ne sommes pas capables de faire un grand mouvement, donc nous avons besoin de nous la hanse. Donc c'est à cause de ça que Sega n'a sa tendance, il se bouge la hanse, mais les pieds la met attachés. Tandis que Sega, il y a une libération nette. Nous cassons ça la scène là, nous prenons aucune la scène dans la main, dans les pieds, ben, le mouvement là plus grand, plus aéré. Donc ça, il est non seulement historique par rapport à l'époque de l'esclavage, d'après l'hypothèse là, mais aussi qu'il peut continuer à traverser jusqu'à ce stade là. Nous sommes un pays multiracial ici, nous. Voilà. Nous avons le sens de la musique, puis dans tout qui a été l'influence. Donc c'est le chapitre l'unité nationale qui nous travaille à deux, Kimberley Oxide et moi-même. Et bien sûr, comme pour les autres chapitres, nous travaillons à partir de texte Kaya, ce manuscrit qui nous gagné avec cette femme, Véronique Topiz. Et c'est un chapitre qui cause que nous trouvons clairement l'amour que Kaya tient pour ce pays et comment ça thème l'unité nationale là, qui est bien important pour lui. Pour éveiller ma conscience, l'importance qui nous tous, Maurier Piqué, travaillons ensemble pour l'unité nationale. Dans ce moment de santé, je crois, président tout santé, il y a un moment que Kaya adresse à Mandimoun, que nous trouvons, même s'il peut sentir l'amour, même s'il peut cause respect, c'est toujours dans le but, comment dire, pour réunir Dimoun autour de la cause de l'unité nationale. Dans tout ce moment de texte, quand nous trouvons sur réflexion, avant l'écrire de santé, nous trouvons qu'il nourrit beaucoup, par exemple, spirituellement. Il lit un texte, il médite. Nous trouvons que pour lui, comment dire, c'est une mission. Il a besoin d'écrire pour qu'il dit monde comprend. Pour qu'il dit monde, comment dire, comprend qu'il
pas d'autre solution à porte. Nous sommes ensemble, travaillons ensemble. Lydia, fais attention. Et toujours dans l'esprit, protège mes enfants, protège les générations futures, comment dire. Et nous devons faire attention. Pas laisser ces affaires-là diviser nous. Les causes sont des gens risés. Lydia, ban risé, c'est divise nous. Nous pas de couleur, pas de race, pour que ben, tout ça là arrive à l'unité nationale, pour qu'on consolide sa unité nationale. Là. Bien, écoutez, dans Pas à reculons, je me livre pour exposer la question de l'écriture, hein, parce que l'écriture, c'est un questionnement, l'écriture, questionnement du langage. Qu'en est-il du langage? Qu'en est-il des diverses pratiques du langage? Ici, en l'occurrence, du langage et de la langue aussi, évidemment. Mais la langue, c'est surtout au pluriel. Quand quelqu'un regarde le Guernica de Picasso, il ne peut plus regarder de la même façon après. Quand quelqu'un lit, par exemple, les textes de Philippe Solers, de Mallarmé, de Joyce, il ne peut plus lire comme il le faisait auparavant. Quand vous écoutez de la musique, je prends l'exemple du jazz, quand vous écoutez, par exemple, un saxophoniste tel que Charlie Parker, ben, ce sont des musiciens, des peintres, des écrivains qui inventent un nouveau langage musical, nouveau langage pictural, nouveau langage verbal. Et à partir de là, on est amené à comprendre, j'essaye de faire comprendre, que l'écriture ici a pour but de provoquer un bouleversement chez celui qui lit, qui est amené à comprendre que je ne peux pas, je ne peux plus maintenant. C'est moi-même qui dois, moi, le lecteur doit réécrire. Et quand le lecteur réécrit ce qu'il lit, il est en train de produire lui-même. La lecture n'est plus la consommation passive d'un texte déjà écrit, c'est plutôt la réécriture d'un texte écrit grâce à la lecture, pour produire quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est la responsabilité de notre ami le lecteur. La première partie de Pas à reculons, qui a pour titre « Lire, écrire, réécrire ». Il s'agit d'une réflexion sur l'acte. Appelez ça, si vous voulez, une espèce de philosophie de l'écriture. Et c'est suivi de quelques poèmes. Des poèmes et des haïkus, ces petits poèmes japonais, sur la notion d'écriture. Qu'est-ce que l'écriture? Pourquoi écrit-on? Comment écrit-on? Qu'en est-il du texte écrit et de ses vicissitudes, si je puis dire. Le texte écrit est en même temps un texte lu, d'abord par celui qui l'écrit lui-même, mais à chaque fois le texte lui-même est sans cesse réécrit, à chaque fois qu'on le lit. D'où ce titre d'ailleurs de Pas à reculons. Pas à reculons, qui a le sens de pas à reculons, on est en train de procéder à reculons, mais en même temps, on n'est pas en train de procéder à reculons. Ce n'est pas à reculons, c'est à reculons et pas à reculons en même temps. Je précise que le titre, c'est des vers à soi. Ce ne sont pas des vers à moi, ce sont des vers à soi. Ça peut faire penser aussi au vers à soi, S-O-I-E. Mais d'abord, ce sont les vers à soi, à celui qui lit,
à celle qui lit. Ce sont des vers que le lecteur est appelé à réécrire lui-même. Le lecteur est invité à lire pour faire en sorte que ces vers soient ses vers, soient des vers à soi. Des vers à soi, le titre est venu après, mais déjà quand je travaillais là-dessus, des vers à soi ont été écrits lors d'un séjour à Durban en 2017. Je m'étais rendu à Durban à l'invite de l'Union africaine pour œuvrer comme interprète de conférences pendant une quinzaine. Et durant cette petite quinzaine, le soir, rentré chez moi, j'ai écrit ce livre là, qui pour moi était d'abord un véritable plaisir de l'écriture. Je ne parle pas directement de l'écriture, mais des questions de là-dedans, d'une espèce de jeu, de jeu avec la langue, de remémoration, de réflexion. Eh bien, il est bon que vous ayez employé le terme « publication ». Je dois avouer ou reconnaître que, voyez-vous, j'appartiens à une génération qui ne pense pas grand bien de la publication. Une génération qui fait ou qui faisait la distinction très importante entre l'écriture, la peinture, tout ce que vous voudrez, et la publication. Écrire ne signifie pas forcément publier. On écrivait, mais on n'éprouvait pas le besoin de publier. En tout cas, moi, je n'éprouvais pas ce besoin. Et puis, bien plus tard, écoutez, à un moment donné, j'ai senti qu'il me fallait faire quelque chose pour ma mère et mon père, et c'est ce qui a donné prélude à l'ininterruption. Mon premier ouvrage, ce livre a été imprimé à Condottieri et donné au public en 1992. Mais bien plus tard, en 2012 plutôt, j'ai pu publier à Paris trois ouvrages, Offrande, Le promeneur et son ombre, et à nouveau, encore une fois, Prélude à l'ininterruption, mais avec une préface. La préface dans laquelle je précise, je l'écris, je le dédie à mes parents, à mes sœurs et à mon frère, à qui je dois à peu près tout. Et il y a eu après Radiophonie, qui consiste en une collection d'interventions que j'ai données pour le compte du Collège des Ondes à la télévision. Pour le centenaire de la naissance de mon père, j'ai fait publier son livre Les Tamouls à l'île Maurice, mais avec une préface, une introduction et une postface de moi. J'inclus ce livre dans ma bibliographie. Pourquoi ? Parce que, vous savez, mon introduction et ma préface, ça fait plus de 100 pages. Après cela, il y a eu L'enfance de l'art, un livre qui a été primé par Europoésie UNICEF. Donc, immédiatement après, il y a eu les deux ouvrages de 2018, Pas à reculons, chez L'Harmattan, et Des vers à soi, chez les éditions du Bord du Lot, suivi presque immédiatement après, mais un ouvrage mais qui est hors commerce, que je produis à la demande de ma fille. Ce sont des haïkus, ces petits poèmes japonais, en édition bilingue, au loin, là-bas, à l'île Maurice, en anglais, When in Mauritius. Même pour nous qui sommes ici à Maurice, le pays est un peu loin. Nous ne voyons pas ce que nous avons là sous les yeux. Hommage à ces hommes et ces femmes qui réclamaient voulure, insouciants face à tout danger, fut-il mortel, armés d'un noble courage, nullement accidentel,
une indépendance réelle et à fière allure. À ces hommes et ces femmes qui, des apistolures, des jouants de faux prêcheurs, redoutables de Coutel, prirent les armes contre eux, ne craignant sur l'autel de l'honneur de mourir à l'âme aucune fêlure. Il faudrait qu'on rendît un hommage fort digne, qui rappelle, si possible, le sacrifice insigne auquel ils consentirent contre l'oppression. Mais encore faut-il que l'on en soit capable. Capable ou non, qu'importe, s'impose une expression qui dise qu'envers eux, on se sent redevable. Thank you.